Bonjour et bienvenue sur Angle Formation. Sur cette vidéo, je vais vous montrer comment rendre un CD ou bien un DVD comme une flash USB qui remet le rôle d'une flash USB. Tout d'abord, vous mettez le CD vierge ou bien le DVD vierge et vous cliquez avec un clic droit de la souris et vous allez sur le menu contextuel sur Formater. Donc, vous sélectionnez UDF 2.0.1 ou bien par défaut et vous lancez le formatage. Donc, vous patientez le temps que vous aurez cette fenêtre ou bien ce message de confirmation et après, vous fermez la fenêtre ou bien l'assistant de formatage. Comme vous voyez, mon CD est bien formaté. Donc, je vais essayer de mettre un fichier sur mon CD. Donc, je clique avec le clic droit de la souris. Je veux faire envoyer vers lecteur DVD. Donc, le fichier est en train de s'enregistrer sur mon CD. Et voilà, c'est fait. Donc, comme vous voyez, le lecteur, donc le total, le fichier est bien enregistré sur le CD. Je viens de faire créer un nouveau. Je viens de créer un fichier sur mon CD, comme vous voyez. Donc, il vient de s'enregistrer aussi. Donc, l'espace libre, c'est 692, comme vous voyez. Je vais éjecter tout d'abord le CD. Donc, éjection en préparation. Donc, il ne faut pas interrompre ce processus. Patientons le temps que l'éjection se fait. Voilà, le lecteur s'est éjecté avec succès. Je vais le relancer. Quelques instants. Et voilà, mon lecteur a été monté. Mes fichiers sont là. Je peux procéder à une suppression si je veux. Et voilà, donc le fichier a été supprimé avec succès. Donc, une action qu'on ne peut pas faire sur un CD qui est gravé avec un assistant classique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.